Salut! J'imagine que vous ne prenez pas la carte en dessous de 10 euros. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Contente de te revoir aussi. Je suis venue voir comment t'allais. T'es venue pour voir comment j'allais. Je m'en fais un peu pour toi. T'as l'air fatiguée. Arrête, Chloé, tu... Qu'est-ce que tu fous ici? L'épreuve finale de paranoïa, c'est aujourd'hui. Tire-toi. C'est du sérieux. On est arrivé au dernier niveau du jeu. Il ne reste plus qu'une seule énigme à résoudre. Allez, tire-toi, s'il te plaît. Je suis sûre que tu peux y arriver. Personne n'est allé aussi loin que toi dans paranoïa. Chloé, je m'en fous de tout ça. Tu comprends pas? C'est fini pour moi. Tu m'écoutes quand je te parle? Ça commence aujourd'hui. Non, toi, tu vas m'écouter. Je ne t'ai pas vu depuis des mois. Et toi, la première chose que tu fais, c'est de te pointer ici pour me parler de cette connerie? On a passé une année devant nos ordis, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à chercher un indice pour rien du tout. Tu vas quand même pas me dire qu'un million d'euros, ça t'intéresse plus? Je ne veux pas qu'on revive ce qu'on a vécu. Ça nous a détruits tous les deux. C'est pas ça qui nous a détruits.
T'imagines ce qu'on pourrait faire tous les deux avec 1 million d'euros? Tu as dit tous les deux? J'ai lu un article dans la presse locale qui disait que 2 cygnes noirs avaient disparu du zoo de Manchester. 2 cygnes noirs, c'est l'emblème de Paranoia. C'est une simple coïncidence. Oui, sauf que j'ai bien vérifié et il n'y a jamais eu de cygnes noirs dans ce zoo. C'est vrai, c'est bizarre. J'ai contacté le zoo. La réponse qu'ils ont envoyée, 24 bien courageux. 24 bien courageux, ça doit être un code. Bon, il y a 2 chiffres et 2 mots. Ça pourrait être un code postal. Imaginons que A, c'est 1, et B, c'est 2. C, c'est 3, D, c'est 4. Alors 24, ça donnerait BD. Maintenant, voyons les mots. B, c'est 2. La première lettre de chaque mot, c'est B et C. Ça donne 23. Le résultat, c'est BD 23. Et voilà, le site web de la ville de Skipton. Le code postal, c'est BD23. Protection de notre écosystème. Préservation des cygnes noirs. 1 an sur la route. Ramenez-nous à notre point de départ comme d'habitude. Nous y serons toute la soirée jusqu'à minuit. Ça veut dire quoi? 1 an sur la route, je pense que c'est... Écrit 01 dans la première case. Ramenez-nous à notre point de départ... Comme d'habitude. Et ça est le symbole de l'infini. Nous y serons toute la soirée jusqu'à minuit. Écris la date d'aujourd'hui, 08-11. Non, c'est pas ça. D'accord. On recommence. 1 an sur la route. Le premier est 01. On va mettre 00 au lieu de l'infini. Et 0811 pour le troisième. T'as trouvé une rêve à Skipton. T'es un génie. On va la trouver. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Je crois que ce que je vais te dire va pas te plaire du tout. Mais je vais aller faire un tour avec Chloé ce soir, si t'es d'accord. Je sais parfaitement ce que tu penses d'elle. Qu'elle m'a fait trop souffrir, mais... J'aimerais que tu me pardonnes d'être encore amoureux d'elle. Désolé. Faudrait que je pense à laver ma voiture, un de ces quatre. Tu peux mettre ça à l'arrière si tu veux. Pour l'instant, pas de rêve en vue. Là, là, sur la droite, je la vois. Si on est dans le jeu Paranoia, alors qui tire les ficelles? Qui paye pour tout ça? Et c'est qui tous ces gens?
C'est des vrais joueurs ou ils font juste partie du jeu? Eh merde. Naomi est là. Je suppose qu'elle est toujours dans le jeu. Plus que jamais. Mais si elle est là, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Allez, on doit trouver l'entrée de Paranoïa avant elle. Hey, est-ce que t'entends ça? Quoi? La musique du lac des signes. C'est de la techno. Non. Ça vient de plus loin, écoute. C'est par là, viens. Un seul joystick. Comment on est censé jouer l'un contre l'autre? On joue contre l'ordinateur. Tu veux commencer? Sans façon. Où est-ce qu'on va maintenant? Ce sont des coordonnées GPS. Je vais regarder. J'ai trouvé. Voilà Paranoïa. Ça en a tout l'air.
Il n'attendait plus que vous. Ils sont obligés de suivre le jeu. Désolé les gars, on a commencé sans vous. Bienvenue parmi nous. Moi c'est Ray. Moi c'est Maxine. Jablowski. Bah moi c'est Chloé. Alors tu reviens dans le jeu? Ça fait un bail que je t'ai pas vu en ligne. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Paranoïa. Tout d'abord, nous tenons à vous féliciter. Sur les milliers de candidats, vous êtes les seuls à être arrivés jusque-là. Cette compétition a été créée pour vous. Elle vous emmènera au-delà de vos capacités. Elle jouera avec vos faiblesses et vous mettra à rude épreuve. Cet hôpital est votre aire de jeu. Ces coins et ces recoins les plus sombres vous appartiendront pendant toute la durée du jeu. Vous êtes sur le point de commencer le plus extraordinaire des escape games. Il vous faudra résoudre des énigmes pour sortir de chaque pièce et accéder au niveau supérieur. Lorsque vous quitterez une salle, vous repartirez avec une pièce du puzzle. La première pièce se trouve sur la table. Une fois complété, le puzzle vous dévoilera le code pour sortir de l'hôpital. Vous avez été divisé en équipes de deux. La première équipe qui sortira de l'hôpital remportera le 1 000 000 d'euros. Sachez que vous ne pourrez pas quitter le jeu une fois qu'il aura commencé. Alors c'est maintenant ou jamais. Est-ce que l'un d'entre vous veut quitter le jeu? C'est votre dernière chance. Chloé ? Comme vous pouvez le voir, vous êtes tous isolés pour le début du jeu. Vous devez retrouver votre coéquipier pour rester dans le jeu. 3, 2, 1. Parfait.
Lucas, je t'entends, oui. Il y a un conduit d'aération entre nos deux chambres. Tu le vois? Oui, je le vois. J'ai trouvé une clé, mais elle n'ouvre aucune serrure. T'as essayé à mettre la porte? Elle n'a pas de serrure. Regarde s'il y a une plaque métallique dessus. Non, il n'y en a pas. Comment je suis censée ouvrir cette foutue porte? Ok, d'accord. Chloé, j'ai compris, ok? Si tu peux pas l'ouvrir, c'est moi qui dois pouvoir. Il faudrait que tu m'envoies la clé. Tu crois que tu peux le faire? Cherchez la salle 7. C'est là. Ok. Waouh. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Très bien, alors, je suppose qu'on doit sortir par cette porte. Et comme il y a un clavier, ce qu'on doit faire, c'est trouver le code. Je crois qu'il faut mettre ce truc. Ouais. Bon, alors je me lance. T'es sûr? Ouais. Allez, arrête de flipper. Viens m'aider à mettre ça. C'est bon. Très bien. Maintenant, regarde partout. Il doit y avoir une énigme à résoudre. Oh non! Écoute, Chloé, j'aime pas du tout ça. C'est vraiment... Ne bouge pas. Il faut qu'on sorte d'ici. Et si je trouve pas la réponse à temps? T'approche pas. Résous l'énigme. Dépêche-toi! D'accord. Ça semble un puzzle, je crois que... Je vais devoir former un dessin. Il y a des pièces qui sont noires et d'autres qui sont blanches. Je crois que je l'ai. Ça commence à prendre forme, mais je comprends pas. Toi aussi, tu vois le signe, pas vrai, Chloé? Il y a certainement quelque chose qui cloche. Non, je peux pas continuer, on laisse tomber, c'est trop dangereux. Non, 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 non. Chloé, je vais essayer de te détacher, d'accord? Non! Finis le signe. Il faut que tu finisses le signe, crois-moi. J'aperçois quelque chose. Allez, continue! T'es devenu complètement dingue, Chloé! Plus qu'une minute, tu vas le finir, ce putain de puzzle! J'aperçois des nombres. Il faut que ces lames se rapprochent encore pour que je puisse les lire.
C'est bon, je les vois. Première ligne, 5, 30 et 6. Deuxième ligne, 3. Au milieu, il n'y a rien. Et ensuite... C'est le numéro 7. On doit trouver le numéro qui manque. Lucas, 10 secondes, magne-toi. 5 fois 6, ça fait 30. C'est bon, j'ai trouvé, ça y est. 5 fois 6, ça fait 30. 3 fois 7, 21. Alors, ça y est, j'ai trouvé. Donc, 5, 30, 6, 3, 21, 7, c'est bon. Ça y est. Mais qu'est-ce qu'on fout ici? Quelle bande de tarés! Étape suivante, chercher la salle 11. On y va. Chloé! Allez, viens! Attends, tu vois pas qu'il y a quelque chose qui cloche dans cet endroit? Hé! Hey, t'entends ce que je te dis? Quoi, numéro de la salle? 11. Ah non, ah, ils sont devant nous maintenant. Bon. Écoute, essayons de trouver une autre salle. Peut-être qu'on pourra continuer. T'entends ça? Ça vient de ce côté-là. Je vais continuer ici. J'en sais rien. Cherchons des indices. Et perdons pas de temps. Je voudrais pas qu'on se fasse éliminer par les autres. D'accord. Allons voir ce qu'il y a sur l'étagère là-bas. T'es calé en musique classique? Ouais, un peu. Et toi? Non. Il y a un cadenas ici. Il y a une partition du lac des signes, sur chaque étagère. Il y a 3 étagères, et la combinaison du cadenas est de 3 chiffres, c'est ça? Oui. Sur la première étagère, elle vient en 4e position. 4. Sur la deuxième, en 7e position. 7. Et sur la troisième, en 9e position. 9. Ah, c'est pas la bonne. Attends, attends, attends. Sur cette partition, il y a 3 chiffres. 4, 7, 9. Ballade de Chopin en sol mineur. C'est pas vrai, ils veulent nous tuer ou quoi? Putain. Où, toi? Cherchons un compositeur irlandais. Pourquoi irlandais? Parce que l'Irlande n'apparaît pas sur cette carte. D'accord. Albert Kettlebay? Anglais. L'Irlande Drisdale? Écossais. Attends, j'ai trouvé un livre. La lettre volée, d'Edgar Allan Poe. Il est irlandais, non? Non, il est américain. Allez, Chloé, il faut trouver l'énigme. Il faut qu'on sorte d'ici. D'accord. Celui-là, celui-là. Brett Deliran. Tu connais ce compositeur? Non. Attends. Ça y est, Deliran. C'est un anagramme d'Irlande. Et brève, c'est quoi brève? C'est une double ronde. Alors, c'est dans la partition. Ouvre-la. T'as raison, je vais regarder. Bon, page 4, on a 6 brèves. 6. Page 7, on a 3 brèves. 3. Et page 9, on a 8 brèves. 6, 3, 8. Ça marche, ça s'ouvre. Ça
va nous prendre un temps fou d'éplucher ça. Calme-toi, Lucas. Je peux pas rester calme, la pièce est en feu. On doit résoudre l'énigme. Quelle énigme, Chloé? Je sais même pas s'il y en a une. On est peut-être coincé ici. Ça y est, j'ai trouvé. El Renacimiento de la Musica Classica Irlandesa. Tu comprends l'espagnol? Le pianiste, où est-ce qu'il est? Lucas! Non, je comprends pas l'espagnol. Et toi? Non plus. On fait quoi, alors? J'en sais rien. C'est toi, le petit génie! Alors trouve! Et sors-nous vite d'ici! Bon, la lettre volée. La quoi? Lettre volée. T'as compris qu'il fallait terminer le morceau? Eh bien, comme Edgar Allan Poe a écrit dans la lettre volée, le meilleur endroit pour cacher un trésor est le plus évident parce que les gens n'iront pas le chercher là-bas. Tu vois, ça paraît logique, pas vrai? Et on cherche plutôt des indices complexes, donc l'Irlande et les autres trucs, c'était des fausses pistes. Pour toi, l'endroit le plus évident, c'était le piano? Ben ouais. Lis-moi ce qui est écrit. Nous sommes tous égaux face à elle. La loi? La mort? Ne me dis pas que c'est ce que je crois. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le clavier est bien plus compliqué cette fois-ci. Des chiffres de 0 à 9 et des lettres de A à F. C'est un jeu tout à fait normal, je veux dire. On dirait qu'il y a toutes les cartes. On a 1, 2, 3. Quoi? Oh, quelle horreur! Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Calme-toi. Calme-toi, d'accord? C'est peut-être un faux corps. Ça va aller. Oh putain, quelle horreur! Ça fait partie du jeu, ça? Chut. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, calme-toi. Mais c'est quoi cet endroit de temps? Ok, on va mettre la table. Va la chercher. D'accord, j'y vais. Retiens la porte, Chloé. Retiens-la. Dépêche-toi! Ah, ah.
ça dans ce sens et va taper le code. D'accord, je m'occupe de la porte. Ah, non ! Merde ! Tu te souviens du code ? Et c'est CA2199. Allez, dépêche-toi, Chloé ! C'est pas ce code-là ! D'accord, CA2107. Ça marche ! J'ai pris la pièce du puzzle, mais le papier, j'ai pas pu. Merde. Et où on va maintenant? Il nous suit, cette espèce de taré. Allez, 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 allez. On sort comment? Par là, par là. C'est un vrai labyrinthe. La porte. Aidez-moi! Au secours! Non. Saviez-vous que notre mémoire s'améliore quand on sait qu'à chaque erreur que l'on commet, une punition est infligée? Tout comme les fessées de vos parents quand vous n'étiez pas sage, vous allez en faire l'expérience. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, bande de barjots! Nous allons voir jusqu'à quel point la punition peut affecter la mémoire. Je vais vous donner une série de 11 paires de mots. Un nom, suivi d'un adjectif. Ensuite, je vous donnerai l'adjectif et vous me donnerez le nom auquel il se rapporte. Nous répéterons l'exercice 10 fois au total. Chaque erreur sera punie. Si vous me donnez au moins 5 bonnes réponses, vous serez libre. Et si je vous donne pas les 5 bonnes réponses? Tête. Malade. Cadavre. Froid. Croix. Noir. Donjon. Sombre. Mer. Mystérieux. Cercle. Coloré. Trésor. Enfoui. Âme. Volant. Présence. Absent. Vent. Violent. Meurtrier. Innocent. Sombre. Donjon. Correct. Suivant. Volant. Ciel. Faux. Mystère. J'en répète. Mystère. Chloé. Faux. Suivant. Coloré. Cercle. Correct. Suivant. Violent. J'en sais rien. Faux. Vous avez une certaine tendance masochiste. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La décharge va être de plus en plus forte. Suivant. Froid. J'en sais rien. Faux.
Suivant. Malade. Prenez votre temps pour être sûr de me donner la bonne réponse. Concentrez-vous. Votre voix me dit quelque chose. Faux. Il ne reste plus que 3 questions. C'est votre dernière chance. Vous m'avez donné 5 mauvaises réponses, alors vous n'avez plus le droit à l'erreur. Suivant. Meurtrier. Coupable. Achevez-le. Non. C'est moi. T'aurais jamais dû accepter ce matin. On n'aurait pas trouvé la rêve. On serait pas enfermés dans cette maison de psychopathe. Chloé.
Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais séjourné en hôpital psychiatrique? Je voulais pas que tu penses que j'étais cinglée. Quelqu'un accrochait des croix sur ma porte. Tous les jours, pendant des mois. Jour après jour. Je n'ai jamais su qui avait fait ça. Alors, ça m'a rendue dingue. Du coup, je suis tombée en dépression. Et j'ai fini en hôpital psychiatrique. Lorsque je suis sortie, les croix sont réapparues. J'ai déménagé. Tu vois, ça n'a pas été tout rose depuis qu'on a rompu, toi et moi. Depuis que tu m'as quitté. Tu m'as forcé à rompre. Comment ça se fait que tu m'as jamais dit comment ta mère était morte? Ben, j'avais 16 ans et... elle s'est fait tuer par des cambrioleurs. Ouais, j'étais allé à une fête. Je suis rentré bourré, je suis tombé dans les pommes. Et je me suis rendu compte de rien du tout. Je les ai pas entendus entrer. Je les ai pas entendus tuer ma mère. J'ai rien entendu. Elle a dû appeler à l'aide, c'est évident. Elle a dû certainement penser que j'allais arriver et que j'allais la sauver. Je me sens tellement coupable. Il devait chercher quelque chose au sous-sol. Je sais pas. Je sais pas ce que c'était, mais ça devait être important. Pour elle, ou... Mais je suis jamais redescendu au sous-sol. J'ai vraiment essayé, pourtant, mais... Mais je l'ai jamais fait. J'ai l'impression de l'avoir trahi. Lucas. Ça va. Lucas. Je suis désolée. Une photo. On dirait Naomi. Elle a été internée ici. Ils ont écrit dans son dossier « patiente dangereuse ». Elle a l'air d'avoir 16 ou 17 ans, ça doit faire des années. Ouais. Ils ont écrit « éloignez-la de tout objet pointu ». Stylo, clé, tournevis. Maxine avait un tournevis planté dans le cou, tu te rappelles? Elle a sûrement été internée ici quand elle était ado, pour d'autres raisons. Mais aujourd'hui, elle veut prendre sa revanche pour toutes les années où elle a été enfermée. Et elle prend sa revanche sur des joueurs innocents? Non, j'y crois pas. Hé, hey, je parle sérieusement, Lucas. Je suis sûre que c'est elle. D'accord. Bon, écoute, il ne manque plus qu'une pièce pour finir le puzzle. Allez, on prend ça et on y va. Tu vas maintenant monter au paradis. Tu vas maintenant monter au paradis. Tu vas maintenant monter au paradis.
maintenant monter au paradis. Quand tu penses qu'il était là, juste devant nous, pendant tout ce temps-là... Je sais. Attends, attends. Ça vient pas vers nous, je pense que ça s'éloigne. Diablowski! Naomi n'est pas avec toi? Non, ça fait un moment qu'elle a disparu. Vous avez vu ce qui est arrivé à Maxine? Ouais. Il y a aussi Ray qui s'est fait tuer. Quoi? C'est quand la dernière fois que t'as vu Naomi? Elle a ouvert la porte après qu'on a trouvé une énigme et elle est sortie. Quand moi je suis sortie, elle n'était plus là. C'était quand? Avant ou après ce qui est arrivé à Maxine? C'était avant. J'étais plus avec elle quand j'ai trouvé le corps de Maxine. Tu connaissais Naomi avant de venir ici? Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Parce que elle a été internée ici il y a 10 ans. Tu te fous de moi? Non. C'est quoi cette histoire? C'est celle d'un psychopathe qui tue des joueurs avec un tournevis. Qui sait, peut-être qu'elle aussi, elle est morte. C'est bien ce type de jeu, non? De jeu? On ne parle plus de jeu maintenant, tu comprends? On parle d'un assassin qui nous traque dans ces couloirs. Le jeu continue, et on est adversaire. Quoi? C'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? On sera bien plus fort si on forme une équipe! C'est ça, bonne chance! Tu vas maintenant monter au paradis, ça veut dire quoi? Je sais pas trop. Peut-être qu'au prochain niveau, on va se retrouver dehors, en pleine lumière? Ouais, c'est bien vu, mais... Mais c'est plutôt religieux. Religieux? Une chapelle. Peut-être qu'il y a une chapelle dans cet hôpital. Ouais, mais... J'arrive toujours pas à comprendre. Pourquoi la porte s'est ouverte quand j'ai électrocuté l'infirmière? Parce que s'il teste pas mon intelligence, je... Qu'est-ce qu'il teste, alors? Ta capacité à tuer? Regarde ce tableau. On dirait celui qu'il y a dans ton salon, non? Ouais. C'est vrai, on dirait le même, le préféré de ma mère. C'est bizarre. Comment un tableau peint par un patient dans un asile a bien pu atterrir dans ton salon? J'en ai aucune idée. Je sais pas, mais on va pas faire demi-tour maintenant. On y va doucement, d'accord? On avance, on traverse. Tiens, ça va vers le bas, d'accord? Naomi? On veut seulement traverser la pièce, rien d'autre. On ne va pas faire de mouvements brusques. On veut seulement passer. C'est tout. C'est quoi ces barres? On ne veut pas te faire de mal, je te le promets. Pourquoi vous avez des barres alors? Parce qu'on veut être sûr que tu ne vas pas nous faire de mal. D'accord? Tout le monde a peur de moi. Pourquoi? Ça a toujours été comme ça depuis que je suis petite. Naomi. Tu sais qu'il y a des gens du jeu qui sont morts, n'est-ce pas? Oui, je suis au courant. J'ai vu leur corps, moi aussi. Tu étais où quand les meurtres ont eu lieu? J'en sais rien. Écoute, Naomi. Je veux que tu sortes cette chose qui est dans ta poche. D'accord? Doucement, doucement, doucement. Pose-le sur le sol. Tout doucement. Sans te précipiter. C'est pas à moi. Quelqu'un m'a mis dans ma poche. Pourquoi tu fais tout ça, Naomi? Chloé, non. J'ai toujours pensé que t'étais bizarre, mais ça... Non, Chloé. Alors tu joues à paranoïa à l'hôpital depuis tout ce temps, c'est ça? Naomi! T'approches pas de moi! Toi non plus! Calme-toi. Reculez tous les deux! Vous essayez de me faire croire que je suis devenue folle? Mais non.
Vous vous servez de ma fragilité pour me faire croire que c'est moi qui ai fait tout ça sans m'en rendre compte. Du calme, du calme. Mais ça marchera pas. Je sais ce que j'ai fait ou pas. D'accord. Alors, j'ai fait comment pour les tuer? En dormant? Vous êtes que des enfoirés. Vous utilisez le terme cinglé sans même savoir ce que ça veut dire. Il me détraque la cervelle depuis que je suis ado. Ils veulent me faire croire que je suis complètement tarée. Mais j'en ai plus qu'assez de tout ça. J'en ai assez que vous essayez de me faire admettre votre vision de la réalité. Alors foutez-moi la paix, d'accord? Foutez-moi la paix! Je ne suis pas comme eux, d'accord? Je ne suis pas comme eux, je te le promets. Regarde, je pose ça, tu vois? Tu peux me faire confiance, d'accord? Chloé, lâche la barre. Tu peux me faire confiance, Chloé. Lâche la barre. Chloé, je t'ai dit de lâcher la barre, ok? Dites-moi à quoi ça sert de vivre si on peut pas croire ce qu'on voit. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi j'ai fait quoi? J'avais la situation en main. Tu l'as fait paniquer. Tu plaisantes? C'est une psychopathe. Tu crois qu'elle aurait lâché le tournevis parce que tu lui as demandé? Elle allait vraiment le lâcher. T'es tellement naïf. Tu vas maintenant monter au paradis. Tu vas maintenant monter au paradis. C'est là. Trois petits tas de poussière. Vous vous croyez fort? C'est un triangle. C'est la Trinité. Trois différentes fraises. Trois pinces d'extraction. Trois bouteilles. Trois radiographies. La page 3 et la page 33 ont été cornées. Toujours le chiffre 3. Le sacrifice d'un des nombreux. Thank you.
Laissez-moi partir, bande d'enfoirés! Merde! Qu'est-ce que vous allez me faire? D'accord. D'accord. Pitié. Tu vas bien? Chloé, t'as du sang partout. Chloé? Je voulais le sauver. Il respirait encore quand je suis arrivée.
Jablowski. C'est pas vrai! J'ai rien pu faire. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Le tueur. Chloé? Il m'a attrapé avant que je puisse t'appeler pour m'aider. Mais pourquoi t'as disparu? Et j'ai réussi à m'échapper. D'accord. C'est très bien. On y va, d'accord? On va sortir. Maintenant, il reste plus que nous. Il faut qu'on sorte d'ici, aide-moi. Parce que le tueur est toujours là, pas vrai? On va gagner le prix. Chloé, est-ce qu'il est là? Chloé. Il y a souvent des symboles bibliques dans le tarot. Celle-là pourrait marcher. Oui, elle contient un symbole biblique. 7 branches, même espace entre chacune. Comme les 7 échelons de l'échelle de Jacob. Chloé. Ou comme... les 7 degrés de l'initiation. L'échelon qui relie l'homme à la terre, au paradis. Ou à l'enfer. Tu vois Jacob quelque part? C'est Jacob. Suis-moi. T'arrêtes pas, Lucas. On va y arriver. Encore un petit effort. D'accord. Pourquoi tu t'arrêtes, Chloé? Désolée. Quoi? Chloé! Non, 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 non! Ah! Lucas, j'ai froid. Oh non, c'est pas vrai. Ça va aller.
Ah, ah non. Lucas. 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 Je t'en prie, pardonne-moi. Reste avec moi, Chloé. Cet endroit m'a rendu complètement folle. Chloé, 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 reste avec moi, reste avec moi. Non, va-t'en. Maintenant, tu es prêt pour affronter la vie. Je t'aime tellement. Non, 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 non. Chloé. 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 Reste avec moi. Tu es où, espèce de lâche? Tu es où? Allez, viens! Allez, viens! Viens m'affronter! Allez, qu'est-ce que t'attends? Viens ici! Alors, qu'est-ce que t'attends? Bien le monstre que tu es vraiment. Regarde de quoi tu es capable. Je te cache la vérité depuis des années. Il est temps pour toi d'assumer les conséquences de tes actes. C'est toi qui as créé Paranoïa pour que Chloé tombe dans le piège. Elle t'évite depuis des années. Depuis qu'elle t'a quitté, en fait. La ferme! Tu l'as harcelé tellement. Elle t'a quitté parce que t'es paranoïaque et violent. Hey! Ah! Chloé! La ferme! La ferme! Tu es sûr que c'est vraiment ce que tu veux? Oublier le monstre et faire comme si de rien n'était. Oublier ta propre conscience. Lucas? Va-t'en. Lucas. J'ai dit, va-t'en. Hein? Vous essayez tous de me rendre cinglé. C'est ce que vous faites. Ou en tout cas, vous essayez de me faire croire que je suis cinglé. Vous croyez que je suis suffisamment fragile pour penser que j'ai fait quelque chose sans m'en rendre compte? Je sais ce que j'ai fait ou pas. Thank you.
J'y arrive pas. Essaie encore, chérie. N'abandonne pas. C'est trop difficile. Tu y arriveras. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur et tu le seras toujours. Concentre-toi. Je t'adore, maman. Je t'adore aussi, mais tu dois faire beaucoup mieux que ça. Maman ! Reviens ! Un homme en uniforme orange. Qu'est-ce qu'elle a, votre main? Ah, c'est une blessure que je me suis faite quand j'étais petit. Bien, attendez une minute. Ah. Essayez de vous calmer. Essayez de vous reposer, d'accord? On va vous ramener chez vous. Mais ne quittez pas la ville. J'aurai encore des questions à vous poser.
Alors, hein? Comment j'ai tué ma mère? En dormant! Va-t'en, je t'ai dit! J'attendais ce moment depuis longtemps, tu sais. Te voilà prêt pour affronter la vie.